Hey bro, t'as prié? Batistuta. Shevchenko. Mahanashki. Punching. Corner kick. Hey bro, t'as prié? Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamu alaikum. Nous savons que Shaitan est le mal et il ne nous aime pas. Mais n'ayez pas peur de lui. Il n'est rien d'autre qu'un perdant, un des pires de la création. Il est insignifiant et n'a aucun pouvoir sur nous. N'ayez pas peur de Shaitan. En plus, nous avons Allah de notre côté. Nous ne dépendons de Shaitan pour rien. Nous ne comptons sur lui pour aucun de nos besoins. Quelle est cette peur de Shaitan de toute façon? Que fait réellement Shaitan? Si Shaitan pouvait vraiment nous faire du mal, alors aucun de nous ne serait là. Nous serions partis maintenant car il ne nous aime pas. Si Shaitan avait un pouvoir sur nous, il nous empêcherait de manger, de boire et même de respirer. Mais aussi diabolique qu'il soit, il ne peut rien nous faire. Nous pouvons manger et boire comme on veut, mais il a le pouvoir de chuchoter, pour nous donner des idées, pour nous convaincre à prendre nos propres actions. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Innama zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Allah dit dans le Coran: C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux. Mais ayez peur de moi, si vous êtes croyant. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.